Mes chers compatriotes, c'est aussi le respect de chacun. Et je dois le dire, j'ai vu ces derniers temps des choses impensables et entendu l'inacceptable. Nous ne vivons libres dans notre pays que parce que des générations qui nous ont précédés se sont battues pour ne subir ni le despotisme ni aucune tyrannie. Et cette liberté, elle requiert un ordre républicain. Elle exige le respect de chacun et de toutes les opinions. Que certains prennent pour prétexte de parler au nom du peuple, mais lequel, d'où, comment, et n'étant en fait que les porte-voix d'une foule haineuse, s'en prennent aux élus, aux forces de l'ordre, aux journalistes, aux juifs, aux étrangers, aux homosexuels, c'est tout simplement la négation de la France. Le peuple est souverain. Il s'exprime lors des élections. Il y choisit des représentants qui font la loi. Précisément parce que nous sommes un État de droit. L'ordre républicain sera assuré sans complaisance, car j'attends de chacun ce respect indispensable à la vie en société.